Hello les amis, bonjour les amis. Attention. Alors là c'est du lourd, c'est tout petit, mais c'est incroyable. C'est du délire ce qui arrive là. Du délire. Alors j'ai déjà vu des lampes. Alors une lampe comme ça, aussi petite, avec une sauce incroyable, c'est du délire. Donc elle est livrée également avec un petit anneau. Donc il va pouvoir mettre un... Comme ça, on peut mettre un mousqueton, quoi que ce soit. Oui, l'arrière est aimanté. Vous avez bien vu, l'arrière, il est aimanté. On peut mettre ça sur des parois, on peut mettre ça n'importe où. C'est aimanté. Et ici, l'anneau, il passe là. Tac, tac. On va profiter de le mettre de suite. Comme ça, c'est chose faite. Comme ça, vous voyez en live. Tac. Tac. Tac, vous voyez? Tac, tac, voilà, c'est simple à mettre, tac, ça s'aimante, comme ça, si on a besoin d'être silencieux, ben, ça fout pas le bordel, ça s'aimante, vous voyez, c'est bien pensé. Alors, il y a une recharge en USB-C, et voilà, donc en USB-C, donc moi, j'ai déjà rechargé, hein. Tac. Alors, si on se fait agresser, on a ce qu'il faut. Alors, c'est pas énorme le son, mais disons, ça le mérite. Voilà. Le son, il a le mérite d'être là. Voilà. Bon, je pense pas que ça va faire fuir la personne, mais disons, les LED, elles sont tellement puissantes. Vous lui mettez un coup de LED dans la tête, il va s'en souvenir pendant un bon moment. Hein, vous voyez? Donc là, c'est à. Voilà, quand on a à côté 62 dB, 75 dB et à 50 cm, 50 dB. Voilà, 50 cm, 50 dB. Donc bon, on va pas réveiller le quartier, hein. Mais bon, hein, ça mérite d'être là. Alors, deux pressions, on allume la lumière latérale, donc ça permet d'avoir une petite lumière d'ambiance. On appuie une fois dessus, on a une lumière un petit peu plus chaude. On appuie encore une fois dessus, on a une lumière verte. On appuie encore dessus, on a une lumière rouge. Alors ça, c'est hyper intéressant. Quand on est la nuit ou quoi que ce soit, ça évite d'éblouir les voisins. En camping ou en se baladant ou n'importe quoi, c'est très intéressant. Et encore une fois, vous avez la lumière bleue. Alors la lumière bleue, elle va vous Je t'entends permettre... complètement. Alors, sur l'autre bouton de gauche, on a également, qu'on ne vous avait pas mis sur les autres vidéos, le. Voilà, alors ça, c'est la détection. On appuie trois fois dessus, voilà, tac. Et là, on a les UV. Donc, c'est vraiment. Voilà, c'est détection d'UV. On reste appuyé dessus, ça se réteint. Alors, on appuie deux fois dessus. Et on rappuie encore une fois dessus. Donc là, on va avoir un rouge qui clignote. On rappuie encore une fois dessus. On a un peu comme si on lançait une alerte. Donc si on est tombé quelque part, quoi que ce soit, ben, ça permet de lancer une alerte. On entend du bruit des secours qui sont là ou quoi que ce soit. Ben, on rappuie dessus. Donc en même temps, ça va faire le truc et ça permet de lancer un bruit. Donc si on ne peut pas parler, qu'on est blessé ou quoi que ce soit, ben, si on a les secours pas loin de nous, ça permet de dire, hey, on est là. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, ben, la lumière classique. Hein, donc là, on appuie une seule fois hein, dessus, ben, en restant un peu appuyé dessus. Hein. Donc on va allumer une lumière faible. On rappuie encore, on va allumer une lumière plus forte. On rappuie encore, on allume une lumière qui éclate là. Voilà. Et encore plus fort, encore une lumière qui explose tout. On fera des tests la nuit dehors. Voilà. Et là, on a une lumière faible. Voilà. Donc à chaque fois, donc, on retourne une pression, tac. OK. Et si on reste appuyé dessus longtemps, tant que ça s'arrête. Alors, une pression dessus, ça ne s'allume pas. Ça permet d'avoir une pression. Ça permet justement d'éviter que ça s'allume inutilement dans la poche, quoi que ce soit. S'il y a une pression, comme de l'autre côté, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc restez un peu appuyé dessus, tac. Alors, on a également. Un flash, donc on se fait agresser ou quoi que ce soit, on fait une lumière comme ça, tac. Alors vous pouvez me croire qu'il se prend un jet
de lumière dans les yeux, votre agresseur, il va souffrir. Hein. Ça endommage les yeux. Là. Donc, c'est hein, pas vous amuser à faire ça inutilement. Hein. Et même si vous pouvez éviter de le faire, c'est encore mieux. Hein. Hein. C'est pas à mettre dans la main des enfants. Voilà, c'est pas une lampe pour les enfants, ça. Hein. Donc, tac, deux pressions dessus, Et deux. on allume. Et ensuite, une pression simple, on change. Voilà, on change les modes. Et à chaque fois, ça refait le tour, ça repart du début. Voilà. Et deux pressions, ça ne fait rien. Il faut rester appuyé dessus longtemps. Et là, vous l'arrêtez. Voilà. Donc, ça fonctionne en 5 volts. Alors, là, on a une notice qui est fournie avec, qui est en anglais. J'ai une notice en plusieurs langues qui m'a été envoyée par le vendeur. Franchement, je félicite le vendeur. Donc en plusieurs langues. Donc il y a un fichier PDF. Donc je vous le scannerai et vous l'aurez dans la vidéo. Et puis ceux qui voudront que je leur envoie carrément le fichier PDF, ben, vous me ferez un petit message pour que je puisse vous l'envoyer. Hein, donc on se connectera, je vous mettrai une adresse mail en description, où c'est que vous pourrez m'écrire et pour pouvoir récupérer le fichier en PDF. Voilà, donc elle est en. Donc il y a toutes des durées. Hein. Donc on va vous donner toutes les durées selon le mode de lumière, selon ce qu'on fait avec. Vous allez vraiment avoir tout le détail. Hein. On va vous mettre vraiment tout, tout, tout. Vous allez tout voir. Donc voilà, moi je félicite, on a également. Une toute petite lampe de poche de rien du tout, elle a une pêche. À savoir que on l'a pas rechargée là récemment parce que hein, on a fait plein de tests avec, donc la batterie elle est pas plein pot. Mais franchement, alors là on est en mode faible. On va éteindre la EcoFlow. Voilà. Donc là on est en mode faible. On va appuyer une fois dessus, on va passer en mode un peu plus fort. Là, on va appuyer encore une fois dessus, on va repasser sur un autre mode, un peu plus fort. Voilà. Et un mode beaucoup plus fort encore. Donc elle a. Voilà, donc il y a un mode, deux modes, trois modes, quatre modes. Voilà. Là, c'est les quatre modes. Et. Si on reste appuyé dessus, elle s'éteint complètement. Alors, sur l'autre bouton de gauche, on a également, qu'on ne vous avait pas mis sur les autres vidéos, le. Voilà, alors ça, c'est la détection. On appuie trois fois dessus, voilà, tac. Et là, on a les UV. Donc, c'est vraiment. Voilà, c'est détection d'UV. On reste appuyé. Elle va vous permettre de détecter. Les microbes, les scorpions, l'urine sèche,
les bestioles dans vos lits ou quoi que ce soit, ça vous permet de voir si vous avez des ennemis dans votre lit à évacuer, les petites bestioles et tout. Donc cette lumière bleue, elle est vraiment délire. Reste appuyé dessus, ça se réteint. Alors, on appuie deux fois dessus. Là, on a le voyant rouge, donc un petit voyant rouge. Hein. Là, le voyant bleu, ça éclaire un peu. Là, le rouge clignotant, ça peut être sympa pour mettre dans le dos d'un sac à dos ou quoi que ce soit. Là, bleu, rouge. Et là, lumière blanc. Voilà, lumière blanc un peu plus chaud. Et là, c'est la lumière verte. Ouais. C'est pas mal aussi, hein, c'est clair pas mal. Voilà. Et si on reste appuyé dessus, ça s'éteint. En même temps, la nuit, la lampe, elle est fluo. Donc si on l'a posée quelque part ou quoi que ce soit, bah, elle est fluorescente, on arrive à voir. On a également donc un câble de charge USB vers USB-C, donc il n'y a pas besoin d'avoir 15 mètres. Hein, donc, pour montrer la longueur, ça suffit largement. Tac, oui, on va faire dans les 30 cm. Câble de 30 cm, ça suffit largement. Ça sert à rien d'avoir des kilomètres. On vous dira l'autonomie, tout, 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 vous allez tout connaître. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite lampe? Sympa, et ça me fait penser au briquet Zippo, un Zippo. Ça doit rentrer facilement dans une poche, dans un portefeuille très très petit. Moi je la recommande parce qu'elle est très pratique et petit. Zippo, prends-la en main et dis-moi ce que tu en penses. Bon, ça va, elle fait quand même son poids, hein. Elle n'est pas légère. Hein. Ah, on sent du matos. Oui, hein. On sent le matos. Bon, c'est petit, c'est ingénieux, très très ingénieux. Et encore une fois, ne pas mettre dans la main des enfants, parce que ça endommage les yeux. Et puis pour les personnes qui sont sensibles au niveau de leur santé, par rapport aux lumières, par rapport au stroboscope. Voilà. Mais voilà. Si c'est une utilisation intelligente. Voilà, on vous le prescrira de toute façon dans le. Oh Nani, tu nous joues le médecin ce matin. tu vas nous faire des ordonnances. Non, mais bon, bien avertir le public, c'est toujours important. Voilà. Donc moi, je la recommande. Très, très sympathique. Voilà, le petit mot. Alors, suivez bien la suite, parce que on va vraiment vous expliquer, vous montrer tout sur cette lampe. Et c'est vraiment du délire qui vous attend. Ouais, donc là, c'est la petite lampe EcoFlow qui est vraiment sympa. On peut la poser devant et tout. Là, on est en mode éclairage. Là, c'est le mode flash. Voilà, là, on a un gros mode. Donc, ça éclaire quand même pas mal. Hein. Franchement, on voit pas mal du tout. Hein. Là, c'est le mode un peu plus faible. On voit bien aussi. Hein. Voilà. Et là, le mode strobo. Voilà, donc là, on est vraiment en gros mode. Hein. C'est vraiment sympa. Alors la différence alors, entre ce type de lampe EcoFlow et la toute petite lampe
Alors c'est la Beau-Rui. Alors regardez un peu le délire entre les deux. Hein. Regardez ça. On a un éclairage, une toute petite lampe de poche de rien du tout. Elle a une pêche. À savoir qu'on ne l'a pas rechargée là récemment. Parce que hein, on a fait plein de tests avec. Donc la batterie, elle n'est pas plein pot. Mais franchement, alors là, on est en mode faible. On va éteindre la EcoFlow. Voilà. Donc là, on est en notre mode. Lampe avec nous. Alors, là, on a la fameuse batterie avec les quatre panneaux solaires intégrés. Allez, on va voir un peu. Donc là, tac. Alors, une pression dessus, ça l'allume. On reste appuyé sur le bouton, tac, éclairage. Sympa. Alors, deuxième position, c'est plus faible. Donc quand on l'allume la première fois, ça a une lumière très forte. Une deuxième fois, la lumière est moins forte. Troisième fois, on a un clignotement. Et la quatrième fois, c'est du strobo. Voilà. Et ensuite, elle s'éteint. Alors, donc il y a quand même un bon éclairage. Alors, on va voir un peu la différence. Voilà. Donc, avec la toute petite lampe. Donc, regardez la différence des tailles. Hein. C'est pas. Voilà. Alors, regardez un peu. Celle-là, c'est la grosse. Et on va éclairer la toute petite pour voir si elle a plus de pêche. Waouh! Alors, ouais, la petite, elle a alors, peut-être pas en distance, parce que la grosse, elle va vraiment loin en distance. Par contre, la toute petite, elle a un éclairage partout. C'est incroyable. On va se mettre là pour voir éclairer un peu le champ. On va voir ce que ça donne dans le champ. Comment ça éclaire. Voilà, vous voyez que ça pète grave loin. Hein. Voilà, ça peut être vraiment loin. Alors on va voir la différence avec la petite. Voilà, on va se mettre au-dessus. Voir la différence avec les deux. Waouh! Alors attendez, on va éteindre la grosse pour voir qu'est-ce qu'elle fait. La petite. Alors, la petite, elle a un gros éclairage. Par contre, elle va pas très loin en distance. Mais très loin. Quand je dis très loin, là, on éclaire quand même au bout du champ. Hein. Mais disons, on va pas éclairer comme celle-là. Voilà. Là, on éclaire vraiment le fond du champ avec la grosse. Mais bon, regardez la différence des deux lampes, faut pas déconner non plus. Elle est toute petite. Hein. Alors devant, on a une matière métallique. Hein. Ça, c'est vraiment pour refroidir la lampe. Hein, parce que les LED, elles sont vraiment costauds. Hein. Alors ça c'est la fameuse grosse. Le gros accu avec les quatre panneaux solaires, d'accord? Bon, la nuit, le panneau solaire, il va pas faire, hein, il va pas faire quelque chose. Hein. Alors, maintenant, on va faire un test avec celle-là. C'est celle qui s'aimante sur les panneaux solaires. Donc, elle a une petite lampe comme ça à l'arrière. Voilà. Donc, là, une petite lampe qui est à l'arrière. On va voir un petit peu comment elle éclaire. Donc là, le bouton, il est là, voilà, en haut. Voilà, il faut rester appuyé dessus. Voilà, toc, ça reste allumé. Alors, elle, c'est vraiment. Voilà, vous voyez la différence? Alors, grosse lampe, avec la petite lampe. Alors, elle donne elle va permettre de recharger des appareils. Hein, c'est quand même un booster à la base. Hein. La lampe là, c'est une lampe d'éclairage. Elle ne va pas aller recharger quoi que ce soit. Hein. Alors, là, voyons voir un peu la différence entre les deux. Alors, c'est sûr que là, va l'éclater. Hein. Vous voyez la différence, la toute petite lampe, c'est sûr qu'elle va l'éclater. Mais disons, voilà, vous êtes en camping, cette lampe, elle est vraiment fantastique parce qu'elle va vous permettre quand même de donner de l'éclairage. Hein. C'est quand même sympa. Alors, la première éclairage, elle est comme ça. Ensuite, voilà, là, on a un clignotement long, donc qui va vous permettre d'éclairer et d'avoir des économies. Ah non, elle fait, c'est un SOS.
Ça, c'est du SOS, ça. Ouais, vous avez un SOS là. Alors, la troisième pression, là, c'est trop beau. Et quatrième pression, ça l'arrête. OK? Voilà. Donc, cette petite lampe, elle est vraiment incroyable. Waouh! Elle explose tout, la lampe. Hein. Franchement, elle explose tout. Alors, il y avait, donc là, on n'a pas de bruit, ça vous permet de voir. C'est à 55 dB. On va refaire un test avec la montre, mais on était à 55 dB. Hein. Et je vais arrêter de parler, ça va baisser. Voilà. Voilà, 60 dB. 66 dB. 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 Ok, ça bouffe de la batterie. Hein. Savoir que la batterie n'était pas rechargeable. Hein. Donc vraiment très sympa. Je recommande cette lampe qui est fluo en plus. Dans le noir. Ouais, quand elle est dans le noir, c'est vraiment fluo. Hein. On a le flash de la caméra qui est clair, mais donc elle est vraiment c'est fluo. Donc si on l'a posé quelque part, on ne sait pas où on l'a mis, on va la retrouver très facilement. Voilà. Hello les amis, n'oubliez pas, on approche les 400 abonnés. Dès qu'on a atteint les 1000 abonnés, les cadeaux vont pleuvoir. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez. C'est grâce à vous qu'on en est là, c'est grâce à vous que la chaîne va aller plus loin, c'est grâce à vous que la chaîne elle grandit. On a besoin de vous dans les commentaires, dans plein de choses. Allez, à plus tard les amis.